Messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fa Fa, la seule émission dans laquelle on se regarde, on se dit ce qui se passe, ça te plaît ou ça te plaît pas. De toute façon, tout a été dit et il faut que ce soit dit et d'une manière véridique. Alors, restez scotchés dans vos fauteuils parce que tout à l'heure, notre invité, ça va déménager. Trop de papos rétro-coustillants qui vont chauffer sur la toile aujourd'hui. Alors, recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallet, la légende. Aujourd'hui, Yumi est vêtue en treillis. Je ne sais pas si elle est devenue commando ou elle est ingrate dans l'armée, parce qu'avec les nouvelles nominations du Premier ministre, certainement qu'elle doit devenir peut-être son chef d'état-major. Ok, alors, bonjour Yumi. Bonjour de Fallet, voilà. Je fais, tu vois, le signe, quoi, voilà. Tu dis que tu es venu pour attaquer. Oui, je suis venu pour attaquer. Désormais, je suis le général de toutes les muses du monde entier. Voilà, Yumi la muse. Oui. Alors, Yumi, tu te souviens à l'orée des années 2000 avec le mouvement Coupé-Décalé? Oui. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de jeunes talents qui sont sortis à travers ce mouvement. Absolument. Et il y a eu beaucoup de tendances aussi. Mm-hmm. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de tendances, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont sortis du lot. En l'occurrence, à cette époque, il y en a un parmi eux qui est sorti du lot. Ouais. Il a sorti un tube à succès. Sa chanson était tellement terrible à entendre qu'elle a fait l'unanimité partout dans les clubs, dans tous les endroits, les grands maquis d'Abidjan et tout. Il a aussi un nom de général. Oui. Voilà, parce que c'est le général 5 étoiles. Dames et messieurs, recevez le DJ 5 étoiles. DJ 5 étoiles avec le titre Sangébé. Bonjour, je vais te faire les salut. Yeah. Hey, mais ça fait plaisir de te voir. Ouais, c'est un plaisir aussi pour moi d'être là. Salut à toi, Yumi. Ça fait plaisir. Quand je te vois, je pense au bon moment des MJ. Ouais, bien sûr, c'est la belle époque du coupé décalé. Le coupé décalé était encore très. C'est de là, le niveau était trop élevé à cette époque. C'était tellement élevé que vous envoyez les pics, les sorts, tout ça. Bon, c'était le game, mais aujourd'hui, ça continue toujours. D'une autre manière, c'est toujours le game. Voilà. Il n'y a rien de neuf sur les tropiques. Hein. Ouais. Est-ce que vous, tu es assez là, tu es pris? Non, je suis là. Le général, ne vous aimez pas, mais je suis pris. Le général 5 étoiles. Alors, d'abord, Yumi, oui. dis-moi, d'abord, d'où t'es venu l'amour pour la musique? Parce que c'est ça, l'amour pour la musique. Bon, l'amour pour la musique, bon, moi, je le dis très souvent, mon père, même, il était musicien. Ah, ton père était musicien? Bon, il était musicien, mais il n'était pas dans le showbiz. Lui, il était. Un chansonnier de l'église catholique en Côte d'Ivoire. D'accord. Okay. Il a beaucoup de compositions. D'accord. Il chantait de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Oui, il était grand maître de chœur. Maître de chœur, tout ça. Maître de chœur, chaque dimanche, avant de faire les émissions religieuses à la télévision, il y a une chanson qui passe, il y a un cantique qui passe, là où on monte la basilique. Oui. Ça, c'est. Ouais, c'est là. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est la chanson. C'est la composition de mon père, Monsieur Charles Libré. Ah bon? Voilà. Ah, mais ça, attends, nous on savait pas ça. Si, si, c'est mon père. Ok. Donc, en temps normal, vu comment les choses ont commencé là, oui. Tu dois être peu fini, je sais pas, prêtre ou pas, pas forcément. Le vieux, lui, il a fait pour lui. Tu sais, les générations, il y a les générations sont différentes. Voilà, sont différentes. Donc, chacun vient un peu avec de nouvelles choses. Et, voilà, le vieux a fait, c'est vrai, c'est la même musique, mais... Mais donc, comment toi, tu te retrouves DJ, alors? Parce que c'est ça. Comment je me retrouve DJ? Bon, c'est le mouvement Coupé-Décalé a pris de l'ampleur en 2002. Moi, je partais à l'école, mais j'ai aimé le mouvement avec eux aussi, la jet set, tout. Donc, quand le mouvement arrivait avec le flow des DJ, faut dire que moi, j'étais dans un groupe de rap. J'étais pas rappeur, mais comme j'avais un peu le style, donc on planait ensemble. Ok, donc j'étais dans un délit de jeune rappeur. Voilà, déjà. Donc moi, je n'arrivais pas vraiment à faire les rimes comme il le faisait, mais j'aimais la musique. Donc quand le mouvement DJ est arrivé, quand j'ai écouté les premiers Atalaku, en fait, c'était bon pour moi. Tu as commencé à t'entraîner dessus. Voilà, donc j'ai commencé à bosser.
quand j'écoute un son à Talakou qui me plaît, je prends, je copie toutes les paroles. Mm-hmm. Et puis je bosse ça personnellement, de sorte à maîtriser un peu tout. Voilà. Donc, c'est un mais comment tu intègres l'équipe du MG, du Makori Gasoil? Ok, bon, il faut dire au MG, j'avais déjà fait mes preuves au Barinos. Le Barinos. MG. Oui, d'accord. Voilà, j'étais au Barinos, qui est devenu après le Zen, a changé de nom, tout ça. Après, j'étais au Brianka, je suis Dr Kanga avec DMX Mathieu. Donc là-bas, en tout cas, là-bas, j'avais déjà commencé à t'installer. Voilà, j'étais déjà une posé, réputation. Donc, voilà, donc avant l'ouverture du MG, le manager d'alors, Kaba Mignon, qui était avec Barrette Boulevard et ça, tout ça, Kaba m'a approché, il m'a dit d'abord il voulait travailler avec moi en tant que manager. Manager, de, oui, parce qu'il était artiste. Et puis il voulait que j'intègre aussi l'équipe du MG. Bon, déjà, j'ai fréquenté beaucoup DJ Venom qui était de la maison. De la maison, voilà, oui, donc, voilà. Il y avait Lewis, il y avait Ronaldo, toute l'équipe qu'on salue. Effectivement, ok. Alors. 5 étoiles. Oui. Dans ce mouvement-là, il y a eu un concept. Ce concept qui t'a, on va dire, révélé au monde entier, à l'Afrique entière. Ouais. Mais le concept-là, tu n'étais pas le seul à le faire. Ouais. Il y avait toi, il y avait Fedi Jarafat, il y avait DJ Lewis. Ouais. Toi, tu t'élèves, tu fais le concept. Ouais. Un jour, tu t'es enchanté et puis ta voix saute pas. Qui avait coupé ta voix ce jour-là? Bon, au fait, je ne peux pas vous dire honnêtement qui a fait ça. Parce que quand je sais que j'avais mal, voilà, j'avais mal. Je suis allé chanter un jour et puis après, je devais aller au studio. Mais j'ai eu une enflure après avoir pris le micro au maquis. J'ai eu une enflure. Voilà, donc je suis allé à l'hôpital pour essayer de prendre des comprimés Homeovox, tout ça, pour essayer de réparer la voix. Mais après, les analyses, il n'y avait rien. Donc, le mal persistait. C'était mystique. Voilà, ça ne passait pas. Donc, j'ai un ami qui m'a accompagné quelque part chez un monsieur qui, voilà. Pourtant, il y a des auteurs qui disent que tu auras accusé Arafat, que celui qui a la base de ça. Puisque à un moment, là, il y avait clash entre vous deux, là, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, non seulement Arafat n'est pas là. Donc, ça serait un peu lâche de ma part de dire des propos à quelqu'un qui ne peut pas venir démentir. Voilà, donc je ne peux pas. On veut juste la vérité après. Voilà. Mais ce que je peux dire, je pense que tout le monde, pour la plupart, connaissent un peu l'histoire des DJ 5 étoiles. Les gens savent que j'ai failli même passer. Voilà, j'ai été beaucoup attaqué mystiquement. Attends, on va commencer par le commencement. DJ 5 étoiles, tu sors un tube à succès qui s'appelle Sangébé. Oui. Quelques semaines après, ton tube mousse, on va dire ça mousse, ça prend partout. Ouais. Quelques semaines après, Didi Arafat va dans le studio de Champy Kilo et il pose sa voix sur ta chanson en remix et il t'insulte en propre maître. Bon, ça là, franchement, moi, je ne sais pas jusqu'à présent cette affaire-là. Hein, jusqu'à présent, pas ça me fatigue. Du comment? Bon, au fait, il faut dire Arafat et 5 étoiles. La petite histoire, c'est que quand Arafat est quitté en France, il est venu me trouver un jour au Brianka avec DJ Feno. Okay. C'est Feno qui a fait la présentation. Et j'ai compris ce jour-là que Arafat, la collaboration qu'il a eue avec Debordo, il voulait avoir une collaboration, un parcours avec moi, en fait. D'accord. Parce qu'il était venu avec Feno ce jour-là dans le but que Feno fasse la présentation. Et donc, il m'a appelé de Oshare. Feno lui a dit, bon, voici DJ 5 étoiles que tu cherches. Donc, c'est là, il m'a dit, ah mon gars, mais toi, tu n'es même pas gros, tu es mince comme ça, et puis ta voix déchire. Ta voix déchire. Ah, voilà. Donc, tu n'es pas gros, tu es mince. En fait, il voulait dire que je fais pas ma voix. Quoi. On fait la voix parce que j'ai la voix et puis la personne. Voilà, c'est pas pareil. Donc, il m'a dit qu'en tout cas, je kiffe beaucoup ta façon d'animer. Donc, il m'a invité pour la première fois à son premier concert quand il est quitté de France. Il avait fait, je crois, Abidjan, Paris. Le concert, c'est à Yopougon. À l'Okodom. Donc, il m'a invité. Je suis allé là-bas, mais avant de m'appeler sur la scène, j'étais là, j'attendais qu'il m'appelle. Mais quand il m'a appelé, il m'appelle et dit, bon, je vais vous présenter mon petit, tu vois. Son petit. Voilà, il a fait ça la première fois. Et quand il a dit ça, quand il a dit ça net, et puis il a dit 5 étoiles, moi, j'ai pris ma route, j'ai payé, j'étais avec mes gars. On a pris la voiture, on est parti. Parce qu'il t'a appelé son petit. Il a dit mon petit. Quand tu as pris ta voiture, vous êtes parti. Je suis parti parce que si je partais sur la scène, c'est comme admettre que tu es vraiment son petit. Non seulement j'admettais, mais je n'allais pas être content. Je sais que j'allais répondre à ce qu'il avait dit. Donc à cause de ton tempérament, voilà, tu as préféré quitter là pour ne pas que tu sois gamé pour gâter. Voilà, et c'est à partir de là que tout cette guerre-là a commencé. Il y a eu ça d'abord et puis. Mais quand il t'appelle là, et puis il dit mon petit, bon, dans la musique aussi, ça a commencé avant toi.
Non, Arafat n'a pas commencé la musique avant moi. Hein. Mm-hmm. Il a commencé à chanter officiellement, faire sortir des chansons. Toi, tu étais dans l'ombre après. Bon, on peut le dire ainsi. Voilà. Moi je suis déjà dans le mouvement DJ il y a longtemps. Mm-hmm. Ouais, sauf que j'ai commencé à chanter, faire les sons au studio. Mm-hmm. Il chantait déjà. Oui. Mais avoir fait sortir un son officiellement, mm-hmm. j'avais pas encore fait. Donc, et puis déjà même c'est mon petit frère. En commun. Voilà. Non, c'est mon petit frère en âge. Oui. C'est vrai, j'ai un beau visage, mais je ne suis pas un enfant. Mm-hmm. Donc, c'est mon petit frère. Donc, le fait même qu'il m'appelle mon petit, mm-hmm. moi, je connais mon tempérament. Pour éviter les choses, j'ai dit. Et puis, il insistait d'une manière, ça ressemblait un peu à me rabaisser, au fait. D'accord. Voilà. Quand tu as ressenti ça comme un rabaisseur. Voilà. Donc, moi, j'ai pris ma route, je me suis cassé. Et il a fait ça à deux, à trois reprises. Quand tu me trouves dans un espace. D'abord, quand il trouve les DJ, mmh. les chanteurs, Atalakouman, tout ça, il les trouve quelque part. Quand il prend le micro, après, il défie tout le monde. Il veut chanter. Ça, voilà, il veut chanter. C'est son tempérament. Ça, c'est truc, voilà, donc ouais. il veut chanter avec tout le monde. Mmh. Donc, il fait des défis. Voilà, moi, je ne rentrais pas dedans. À chaque fois, souvent, les gars, ils les attrapent, ils les appuient. Moi, je ne rentrais pas dedans. Okay. Mais un jour, il a poussé un peu. Le bouchon, trop loin. Il a poussé un peu le bouchon, c'était au jackpot. Et puis là, ce jour-là, en tout cas, quand je me suis levé avec tout, c'est dit, tout mon arsenal. De d'animation. Puis bon, en tout cas, les gens qui étaient là ce jour-là au jackpot, ils savent ce qui s'est passé. Bon, nous, on n'était pas là. Ceux de cette nouvelle génération qui n'étaient pas là, il faut leur montrer ce que tu as fait. J'ai fait une correction. Correction, là, moi, j'entends rien, tu parles. Fais. Ok, c'est un petit ça. C'est qui est impressionnant. Comme ouais. Arafat l'a dit, il est mince et puis la grosse. Il était pâle. Alors, 5 étoiles. Ouais. Mais quand cette histoire s'est passée, et qui. Bon, après, c'est vrai que. On va dire qu'il y avait déjà beaucoup d'incompréhension entre vous. Oui. On est bien d'accord. Oui. Maintenant, comment il s'élève pour aller prendre ta chanson dans le studio d'un arrangeur chez oui. qui tu as payé la chanson oui. Normalement, tu dois porter plein de coches à Bigulo. Oui, tu as parfaitement raison parce que celui-même qui est à la base de tout ça, c'est Champy Kilo. Voilà, puisque lui, il est l'arrangeur. C'est comme moi, si je vais au studio, puis je vais chez Bébé Fils, je dis, je vais chanter, je fais un truc. Et puis lui, derrière moi, il prend peut-être un autre la musique de peut-être, je pense qu'il. Et puis, mais moi, il chante. Après aussi, les liens qu'il y avait entre Champy Kilo et Arafat, là, tu sais, Champy ne pouvait rien refuser à Didier. Non, mais c'est pas une raison. Bon, au début, moi, j'ai d'abord, quand j'ai entendu la chanson où il m'a lancé des pics, j'ai cherché à. Le contacter lui-même d'abord, puisque je ne pouvais pas parler de loin. D'abord, quand il a pris l'instrumental, je suis allé auprès de l'arrangeur Champy Kilo pour me plaindre à lui parce que c'est à lui, c'est avec lui que j'ai travaillé. Oui. C'est lui qui a remis le bidon. Je lui ai dit, mais Champy, moi, je peux pas venir te payer pour faire un truc et puis après, derrière moi, tu prends, sans mon avis, tu donnes mon œuvre à quelqu'un. Après, lui, il sort, les gens pensent que c'est lui qui est l'auteur de la chanson. Et puis moi, je suis. Donc, ça a créé un scandale. Après, Champy, même, j'ai eu à faire des histoires lui ce jour-là au studio. Après, il a remonté à Arafat. Arafat est venu vers moi, on s'est croisé un soir. Il me dit, non, si moi je prends ta musique pour chanter, pour faire des atalakou, tu dois t'estimer heureux parce que moi, je suis comme Michael Jackson. Donc, c'est allé comme ça. Donc, après, je me plaignais à chaque moment. C'est comme ça, il est allé faire une chanson encore, comme si ça ne suffisait pas. Il allait faire encore une chanson sur le même Champy Kilo. Mm-hmm. Champy Kilo, normalement, je dois déposer plein de comptes. Parce que normalement, toi, tu permets à quelqu'un de prendre les œuvres sans mon avis. Mm-hmm. Et en plus, toi, le même arrangeur, encore la même personne vient chez toi pour faire une chanson, pour me lancer des injures. Et toi, tu cautionnes. Bah, après, si c'est son business aussi, tu peux pas savoir. Si c'est son business, même si c'est son business, moi, tu restes derrière ta caméra de Facebook, tu me lances des injures, même si c'est ta page Facebook, moi, je peux poser plein contre toi. Bien sûr. Voilà, après tout ce temps, c'est pas maintenant que tu vas venir faire ça. Je le dis, je suis en train de parler. Sinon, si je voulais le faire depuis, je l'aurais fait. Mais moi, voilà. Mais après, ça t'a pas empêché aussi que toi aussi, tu ailles répondre aussi. Oui, mais parce que c'était trop. Non, le temps, c'était un peu trop fort. C'était maman des gens, tout ça. Vos parents, ils avaient quoi à voir dans vos clashs. Ça, c'est pas moi. Si on veut parler de ça, normalement, le concerné, c'est Feu Didier Arafat. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas être dans une position de quelqu'un qui dénigre, quelqu'un qui n'est plus. Mmh. Voilà, aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est vrai, il a apporté beaucoup au coupé décalé. Mmh. Et il faut aussi qu'on respecte sa mémoire. Donc, je ne peux pas trop parler dans le but de dire non, Arafat m'a fait ça. Bon, moi, il y a trop parlé. Paraîtrait que quand tu étais malade, tu avais le sida.
Oui. La caméra est là, c'est vrai ou bien c'est faux? Loin de moi tout ça, moi non, loin de moi tout ça. Mais t'as chanté Sangébé. Oui. Bon, si toi-même le Sangébé que tu chantes, bon, je pense que le Sangébé pour ceux pour le jargon africain, c'est préservatif. Sangébé, Sangébé là, c'est garçon qui fait sans préservatif. Donc, si on dit toi, dans ta maladie là, paraîtrait que tu es sida. C'est que tu chantes un concept que toi-même tu n'appliques pas. Mais le Sangébé là, quand on dit Sangébé, ça veut dire sans préservatif, mais c'est le concept qu'on a monté. Mais devant, quand tu écoutes la chanson, il faut se protéger. Donc, d'une part, c'est une sensibilisation. Bon, voilà, moi, c'est là où tu l'as pas. T'as pas au point de Mais ça, c'est loin de moi. Lui qui dit que c'est ça, qu'il fasse sortir les documents pour dire que je sais pas d'où ça sort. Mais moi, voilà, je suis loin de là. Je sais que les gens m'ont beaucoup fatigué mystiquement. Voilà, j'ai vécu beaucoup de trucs, mais bon, de là à dire que 5 étoiles avait. Après le succès de ta chanson, effectivement, à un moment, tu as disparu. Oui. Zone d'ombre. Oui. Et à cette période, il paraît que tu as eu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes spirituels, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé réellement? Tu traversais quoi? Bon, ce qui m'est arrivé réellement, comme je l'ai dit, je le répète très souvent. J'étais là, souvent je suis là, il y a des témoins qui sont là, il y a un homme de Dieu, on appelle pasteur Christian Rabé. Quand ça commençait à ne pas aller chez moi, je partais faire les prières chez lui. Et un jour, j'étais chez lui à 14h. Il y a une dame qui m'a appelé. Je recevais des appels comme ça régulièrement. Il y a une dame qui m'a appelé. Bon, moi, je me dis quand on m'appelle, c'est vrai, l'artiste, il ne prend pas tous les appels, mais j'estime que si quelqu'un m'appelle, c'est que c'est quelqu'un de proche qui a mon numéro. Parce que moi, si on veut me joindre normalement, c'est mon manager. Donc, quand on m'appelle, je décroche. Il y a une dame qui m'appelle. Allô, c'est 5 étoiles. Je dis oui. C'est toi, tu vois, je ne veux pas. Ne dis pas le nom de la dame, mais dis ce qu'elle a dit. Je ne vais pas dire le nom de certains artistes parce que c'est que ça va créer. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, ok, ne dis pas le nom de l'artiste, mais dis-nous au moins ce qu'on t'a dit. Oui, c'est toi qui fais les histoires avec, tu vois. Donc si tu veux, j'ai déjà dit au fait, c'est toi qui fais les palabres avec mon fils, DJ Arafat là. Donc moi j'ai toujours pris le clash avec Arafat comme un game. Tina t'a appelé? Je n'ai jamais dit Tina. J'ai dit une dame qui me dit elle est voyante. Elle est voyante? Oui, elle m'a dit qu'elle est voyante. Elle m'a bien dit. Et puis elle dit son fils DJ Arafat. Oui, mais ça. Non, je suis en train de t'expliquer. Mais t'explique maintenant. Voilà, elle m'a appelé. C'est toi qui fais les histoires avec mon fils DJ Arafat là. Est-ce que tu me connais? Je suis sa mère spirituelle. Tu comprends que je m'appelle. Elle m'a dit son nom. Elle a dit, elle s'appelle Dame Aïcha. C'est le nom qu'elle m'a dit. Tu me connais, moi je suis au Burkina, je m'appelle Dame Aïcha. Donc, elle est au Burkina. Voilà, elle m'a appelé d'un numéro Burkina. Voilà, donc quand j'ai fini de communiquer avec elle, le pasteur là, ses enfants sont là encore, tout ça, ils savent ce qui s'est passé. J'ai perdu connaissance, je suis rentré dans un état bizarre où c'est les prières. Parce que, par appel téléphonique, la dame l'a lancé, ce quand tu as voulu devenir fou. Il paraît aussi, non, il paraît même qu'on dit, un moment, on disait que tu étais devenu fou. Bon, j'étais pas vraiment loin de là. Parce que j'avais. Oui, non, moi, je l'ai vu. J'étais sinon, pas. Il est vrai, il dit, mais c'est vrai, mais sinon, je l'ai vu. Voilà, j'étais pas loin de là. Il n'était pas très, très. Voilà, j'étais plus dans mon état normal. Tu vois, j'étais plus dans mon état normal. Et c'est des choses qui m'ont fatigué. Aujourd'hui, si je dis, j'ai plus envie de parler de ça, parce que quand je parle de ça, après, ça va encore réveiller d'autres choses. 5 étoiles, je serai obligé de refaire des commentaires là-dessus à chaque fois. Non, c'est pas une question de commentaires. Nous, on essaie de parler des faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, un feu DJ Arafat n'est plus bon. Mais il y a eu des choses qui sont passées dans ce monde où on essaie quand même d'avoir des réponses, sur certaines choses. Bon, tu as commencé ta carrière artistique, on a vu vraiment gros tube à succès, tout. Et après, tu as sombré dans le chaos avec des clashs à n'en point finir. De toute façon, tu n'es pas la seule prime, on dirait que tu n'es pas la seule personne à qui c'est arrivé. Voilà. FDJ Arafat, on a eu beaucoup de clashs ici. Elle est fracturée après plein de personnes. Mais il fallait, il y a quand même un point à signifier. D'accord. Ils étaient trois à chanter le concept, Sangébé. Il y avait Lewis, il y avait Arafat, il y avait lui. Non, Arafat n'a pas chanté Sangébé. Il n'a pas chanté Sangébé. Lui, il a revendiqué la danse. Il dit que la danse l'appartenait. Il dit que la danse, c'est les bédères. Voilà. C'est vrai ou pas? Non. Au fait, Arafat, il est moi où j'ai respecté Arafat. Arafat est quitté en Europe. Il est venu avec un esprit. Il crée son système. Et puis lui vous envoie dedans. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux, lui il a déjà monté son truc de petite pièce. Voilà, c'était son game qu'elle a. Donc quand lui voit que lui il avait fait ses sons avec des Bordeaux, quand il voit que le Sangébé a commencé à prendre de l'ampleur, le Sangébé gouverne, qu'est-ce que lui doit faire
pour éteindre ça. Pour éteindre ça, c'est Yoram. Lui, il pique le sang des bêtes. Mais qui est le vrai créateur du sang des bêtes? Il n'y a pas un artiste qui peut dire qu'il est le créateur du sang des bêtes. Mais à un moment, si Lévis a dit que c'était lui. Non, le sang des bêtes, je vous explique. Le fer défalé est là, le fer, il est là, il vient au MG. Au MG, on avait beaucoup de concepts. C'est les trucs de la maison. Souvent, on voit quand les danseurs viennent chaque soir. Ils viennent avec des nouveaux pas de danse. Donc, quand on voit là, dans l'animation, on crée des trucs et puis ça devient, ça prend ça tout le monde. On anime avec ça chaque soir. Tu entends Chuma Kaya ou bien tu entends Sangebe. Mm-hmm. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là parmi nous, les DJ, quelqu'un qui est artiste parmi nous, qui est inspiré, qui pense qu'il peut faire quelque chose, c'est comme ça les Bobaraba, tous à son nez. Mm-hmm. Les Anges Faro là, mm-hmm. ils ont créé beaucoup de les concepts. Les poulets. Les poulets. Voilà, eux ils dansent. Quand on voit, on dit, ah, comment on appelle ton concept, nous on prend, on va au studio, on chante. Donc c'est ce qui s'est passé un peu avec Sangebe. C'était un concept du MG, ce n'est pas un concept de DJ Lévis, je suis désolé. Ce n'est ni mon concept que j'ai créé même, mais quand j'ai vu le mouvement, c'est comme le coupé décalé. Moi j'ai pas créé le coupé décalé, voilà les créateurs du coupé décalé. Mais nous on est venus, ils ont permis qu'on vienne se mettre dans la danse. Donc on est venus, on en fait. Donc le Sangebe, quand Lévis a chanté, moi j'ai écouté la version de Lévis, j'ai trouvé que le concept était trop chaud, ça prenait trop au MG. Par rapport à ce que lui l'a chanté. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça, je me suis mis dans mon coin, j'ai dit non, est-ce que ce truc-là, je peux faire ça d'une manière plus grave. Donc, tu as transformé ça à ta façon. Voilà, j'ai transformé ça à ma façon et puis voilà, à donner le sens. Franchement, tu vas. Dans ce concept, tu as eu beaucoup d'argent. Grâce à ce concept, tu as eu à voyager, tu as eu beaucoup d'argent et tout, tu as l'honneur. Pourquoi tu n'as pas calé? Non, mais ce n'est pas un conseil qu'on peut donner à un artiste de calé. Non, mais la grande majorité des artistes qui font des calés. Voilà. C'est vous qui ont calé. Oui. Donc, elle s'est dit, pourquoi toi, tu n'es pas dans le décalage aussi. Bon, les artistes qui calent en bing, là, pour la plupart, quand tu sais, tu as confiance en ton talent, ou bien ça dépend de ta confiance. Tu n'avais pas confiance en toi. Non, moi, personnellement, j'avais beaucoup à donner en Côte d'Ivoire. Si j'avais beaucoup même à donner en Côte d'Ivoire. Et puis, ce n'est pas comme un artiste. Je ne suis pas un artiste qui ne sait pas chanter. Il y a des gars qui sont dans le coupé décalé. Ils ne sont pas des chanteurs. Ils sont des artistes, c'est vrai. Mais ils ne sont pas bons chanteurs. Donc, ils ne peuvent pas avoir. De qui tu parles? Non, il y a plein. Il y en a plein. Je ne peux pas te dire non. On a déjà confirmé, c'est un artiste. Chanteur. Non, et pas un de ces gars-là. Pourquoi? Ceux-là, au fait, ceux-là, ils sont en train de faire pourrir le coupé décalé aujourd'hui. Ah oui. Attends, mais donc tu dis quoi, bébé sans demande le cadavre, le cadavre bébé sans demande. Mais il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit sérieux. C'est des jeunes gens qui se cherchent, mais après ils sont en train de salir le travail des gens. Donc, parce que moi, Manage a confirmé avec son coupé décalé, il est en train de salir le coupé décalé. Faut pas qu'on a, parce que moi j'ai remarqué en Côte d'Ivoire quand tous ces gars-là ils arrivent, ils quittent en brousse, quand ils quittent en brousse ils viennent. Quand on les prend, on dit qu'ils font couper des câbles. On ne dit jamais qu'ils font zoubou. Donc, tous ceux qui viennent de la brousse, là, ils font pas. C'est un fait, c'est pas quelque chose. Mais eux, ils disent qu'ils sont venus couper. Vous ne pouvez plus. Donc, ils disent qu'ils sont en brousse. En fait, je peux comprendre que la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de crises. Donc, pour déstresser aujourd'hui, pour déstresser les gens, on prend plaisir sur les réseaux sociaux. Ah, c'est donc, ça, pour toi, c'est des clowns de distraction pour la population. Non, honnêtement, Manada a confirmé ce que les Ivoiriens font avec lui aujourd'hui. C'est une reconnaissance parce qu'on estime qu'il a été généreux envers quelqu'un qui ne lui rend pas l'appareil. Donc, c'est un truc, un élan de solidarité. Mais donc, tu penses que ce sont des émotions? Oui, honnêtement, mais sinon, Manada a confirmé que ce n'est pas un artiste. Pourquoi il est nominé au Primude? Oui, c'est normal parce que. Mais toi, tu n'es pas dedans. Ça dépend des critères du Primude. Si le Primude est à la recherche des gens qui sont bien vus, mais ils ne sont pas à la recherche de l'excellence, mais bien sûr, ils vont nominer Manada pour confirmer. Le Mola prône l'immaturité. Non, c'est pas le Mola, c'est le Primude. Mais c'est qui organise? Non, c'est pas lui. Parce qu'il est. Ah, c'est pas lui comment? Il le dit toujours, et ça, c'est pas moi qui le dis. Le Mola le dit toujours. Il dit il a créé le mouvement, mais il y a des gens qui suivent le mouvement, donc il y a des critères qu'ils ont mis. Ils ont mis en place. Oui, ils ont mis en place. Donc, c'est donc ceux qui créent les critères de sélection, hein, ceux qui ne font pas un bon travail. Ils ne font pas un bon travail parce qu'il y a des artistes. Aujourd'hui, là, il y a trop de talents qui sont là. Souvent, quand on récompense des gens, on a l'impression qu'on est en train de rêver. L'année passée, c'était le petit là. Tikaya qui avait pris meilleur artiste coupé décalé. C'est un petit qui est très bon. Moi, je le suis, il est très bon. Hein, ça là, je n'en dis pas. Mais il a pris devant de Bordeaux. Je viens. Qui est très bon. Quand tu dis, Serge Bello. Quand tu dis ça, ça te dérange pas. Quand tu dis qu'il a pris devant de Bordeaux, Serge Bello, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais est-ce que tu es sûr de toi à moi? Moi, j'aime le petit, hein, honnêtement. Mmh. Parce que de tous les nouveaux de la nouvelle génération, là, il dégage quelque chose. Quand je l'écoute, j'ai dit le petit, il est bon. Mmh. Mais de là à dire que. Je ne sais pas s'il y a des critères, il faut se faire voir sur Facebook. Quoi. Mais moi, je pense que la musique, il y a des connaisseurs. Normalement, pour récompenser des artistes, on fait appel à des gens qui essaient de.
d'analyser un peu le paysage culturel du pays. Donc, tu penses que le prémude qu'il a reçu est un prémude qui a été, on va dire, par connaissance. On lui a donné le prémude en fonction des critères de l'être prémude. Donc, le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est ceux-là même qui gèrent le prémude. Bon, parce qu'il faut, il faut qu'ils cherchent à... Il y a plein d'anciens aujourd'hui là. C'est vrai, on est en train de parler. Aujourd'hui, c'est vrai que 5 étoiles, je ne suis plus trop sur les petits écrans. Mmh. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma chanson s'engueulait. Non, et puis Mais pourquoi on fait les primes et puis on ne donne pas un prix, par exemple, à toutes ces personnes-là, à tous ces artistes que nous sommes. Mais à part si vous êtes des rambas aussi avec ceux qui sont derrière tout ça, On ne peut pas aller sur la base des rambas. En temps normal, là, on ne doit pas vous chercher. On ne doit pas vous chercher. Vous avez fait la gloire de la Côte d'Ivoire quand le coupé des Galets est venu. Vous avez eu des concepts qui ont fait le tour du monde. Comme tu le disais tout à l'heure, même si tu vas sur scène pour chanter tes morceaux actuels, on réclame toujours l'ancien son qui a moussé. Bon, en temps normal, là, quand il y a prémude comme ça, là, vous, là, on doit vous réunir, on doit voir au moins vos visages, mais on ne voit pas. Mais donc, c'est qui? C'est moi? La faute, c'est pas nous. Parce que nous, on a déjà fait le travail. Nous, notre travail, c'était de chanter, de produire les œuvres. Nous, on a fait le travail. Et les œuvres encore sont encore dans la durée. Parce qu'il y a ça, on est jusqu'au jour d'aujourd'hui, même malgré les sons, quand je vais jouer quelque part, je vais tout jouer. On déjoue le sangueve. Tu vois? J'ai fait sortir un dernier Rukutu. C'est très bon. Actuellement, les gens sont en train de prendre. Mais ça n'empêche pas que les gens sont toujours. On dit le sang est bête. C'est la chanson qui t'a révélé. Oui, le travail qu'on fait là. Aujourd'hui, il est très important. Quand les gens. Si le Primus se veut comme une organisation sérieuse, on doit être à la recherche des gens vraiment. De l'excellence. De l'excellence, voilà, c'est ce que je veux dire. Okay, bon, le petit l'ont récompensé, moi, j'ai rien contre ça. Mais je veux dire que c'est le meilleur parmi tous, c'est une insulte à nous tous qui travaillons. Ah ouais, okay. Jusqu'à ce point-là, bon, je pense que le message est bien passé. Mon ami et frère Mola, il va écouter. En ce moment, il est en pleine réception sur le prémude. Il nous a invité tout le goutta des journalistes afin de présenter le nouveau prémude. Et comme toi, on a critiqué tout ce qui était passé auparavant. Et on a eu de bonnes nouvelles que beaucoup de choses vont être corrigées. Ah, Dieu merci, tant dans bien. La manière aussi de procéder sur le prémude, et comme il a dit, il a fait des catégories, effectivement, mais qui seront gérées par des professionnels de l'art, il a cité des noms, tu vois. Ouais. Bon, il nous a aussi promis que personne ne viendra avec un cochon. Tant mieux, surtout. Ou des robes de mariée. Ils ont raison de venir avec des cochons. Parce que si on est dans un pays où la star du coupé décalé, c'est un bébé sans osément, mais pourquoi quelqu'un qui se promène avec un cochon sera pas star? Au fait, le truc, c'est ça. Un premier, on voit tout. Sapin de Noël, les robes de mariée. On peut faire. L'année passée, il y a des gars qui sont venus en peignoir et puis ils ont pris ceux pour faire chaussures. Mola dit cette année-là, celui qui ferait même là. Papa, quel coup de tête, même sur la. On parle quoi, mais toujours, il y a des gars qui arrivent à s'infiltrer pour entrer. Nous, nous invités, les journalistes nous ont dit. Celui qui s'amuse et puis l'affaire il a fait une sortie même encore bien dessus. Bon, je pense que voilà, M. Smoro va faire ce qu'il faut, pas de souci. Vice-président, on ensemble. Okay. Toi-même, un Fafa bientôt, tu te promets dans ta crise, ça vient. 5 étoiles, tu en coupes? Mais 5 étoiles, bien sûr, je suis un garçon et puis en plus, j'ai un joli garçon, donc c'est normal. Je suis pas bon. Je sais pas, en couple, là, tu es marié ou marié. Je ne suis pas marié. Mais ça se voit, il n'y a pas d'alliance. Non, bon, après, il y a 20 traces. Tu n'as pas levé pour cacher. Après aussi, je ne vis pas sous le même toit que ma chérie. Pourquoi? Ah, non, on est. Moi, je suis. C'est une relation libre. C'est qu'elle suit quelqu'un. Mais on n'est pas encore. Parce que quand on se met sous le même toit, là, c'est pour. Mais c'est ça, il dit donc, c'est une relation libre. Les choses bien propres, quoi. Mais j'ai quelqu'un. Voilà. C'est une relation libre. Mais dis-moi, 5 étoiles, est-ce que tu t'es déjà drogué une fois? 5 étoiles, Didi. Bon, honnêtement, dit, moi, je ne veux pas me jouer les seins devant la télé. J'ai déjà pris des substances, mais je n'ai même pas duré dedans. Mais je ne dis pas aux gens de faire de ne pas durer dedans. Moi, j'ai vu que ce n'était pas bon pour moi. Voilà, j'ai traîné peut-être 6 mois comme ça. 6 mois, ce n'est pas duré. Mais contrairement à des gens qui vivent des gens chaque jour, moi je pense que voilà. Mais est-ce que tu es déjà allé voir des marabouts pour avoir du succès? Non, jamais, ça j'ai jamais fait. Tu as écouté le nouveau son de Petit Denis là, non? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense est-ce que c'est une chanson qui est digne de sa personne? Non, au fait, la chanson, moi je comprends dans l'esprit que le gars il a fait. C'est un petit geste de maître qu'il a fait au fait. Voilà, c'est vrai, la chanson est un exercice de style. C'est un exercice de style. Fait, tu vois, tu n'en viens dans le truc, mais tu sais que c'est un génie qui a fait ça. C'est un exercice. Voilà, donc moi je kiffe, au fait, c'est bon. Ça montre qu'il a encore, c'est lui, voilà, il n'est pas fini. D'accord, si je te demande la face à la caméra actuellement de me faire le top 5 des meilleurs artistes coupés décalés masculins, c'est qui?
Meilleur artiste coupé décalé masculin. Top 5. Top 5, je dirais en premier, je dirais Serge Beno. Oui. Mais sans moi ou avec moi. C'est à toi de voir. Non, mais dis-moi. Bon, tu peux te mettre dedans, non, si tu te mets dedans. Non, aussi, par voilà. Oui, mais bon, au fait, moi, je me mets à l'écart d'abord. Voilà. Je prends Serge Beno et à Safarel qui fait du bon. Ceux qui font du coupé décalé en tout cas. Oui. D'ailleurs, je suis en train de chercher parce que là, je ne vois même pas. Il n'y a pratiquement plus personne qui fait le coupé décalé. D'accord. Mm-hmm. Voilà, il n'y a plus personne qui fait le coupé décalé. Mais pour ceux que je vois, il y a Serge Beno, il y a Safarel. Mm-hmm. Bon, tout le monde le sait. DJ Mix, on le tag d'être devenu trop romantique. Mm-hmm. Donc, on ne le voit plus assez. Mm-hmm. Mais je pourrais le mettre à la troisième place. Des Bordeaux et autres, on ne les voit pas. Mm-hmm. Donc, le classement est difficile pour moi. C'est justement pourquoi je suis revenu sur la scène. Mais attends, mais quand toi tu parles du classement là, il y a quelqu'un que toi tu n'as pas mis dedans, moi je ne suis pas d'accord. Parce que lui dit que vous, lui, il a fait émission, il a dit que tout le monde dort. Didier Léo. Mais lui-même, il est où actuellement? Lui-même, ça se voit qu'il est, actuellement, il a son drap sur lui. Il est couché. Il y a quel drap? Il est couché, son drap sur lui. Non, il dort. Celui comment? Il a son troisième rêve actuellement. Son troisième rêve? Ouais. En tout cas, il était bien placé. Il était bien placé pour réveiller le coupé décalé, puisque lui, il a bien vu que les gens dormaient. Ah, bah, il a fait bon, si tu dois le réveiller face à la caméra, tu lui dis quoi? Bon, chacun a ses problèmes. Moi-même, moi, c'est son message que j'ai entendu. Il a dit tout le monde dort. Je me suis réveillé. Je suis en train de travailler actuellement. J'ai fait ma nouvelle chanson, le Runkutu. Voilà, je pense que pour ceux qui connaissent le coupé décalé, ils connaissent le travail que j'ai fait. Après, donc, moi, j'ai fait ma part. Oui. Léo. On attend aussi qu'il se réveille. Bon, il a fait son réveillez-vous. Non, mais au fait, là, vous savez, la musique, là, c'est vrai. Hein, tu sais, les gens qui ont déjà la popularité, là, il est difficile pour eux de durer dans le temps parce qu'ils sont souvent, perdus par leur nom. Mm-hmm. Leur nom a fait qu'ils sont perdus. Quand un Léo comme ça, il sait qu'il a une cote de popularité, les gens ne lui disent pas que champion, son qu'il t'a fait, là, c'est pas son. Ah, genre, à cause de la cote de popularité. Voilà. Quand Léo a voix, dit, le dernier Léo, c'est bon. En tant que le truc n'est pas bon, il n'est plus aussi trop inspiré. Moi, c'est mon point de vue. Avis, c'est dû à quoi? Je ne sais pas, à la piraterie, à quoi? Il n'y a plus de producteurs. Trop de confiance aussi, ça crée ça. Il a trop confiance en trop lui. Trop de confiance en soi. Quand tu te donnes trop de noms, le dangoro, le mot. Ben, il doit descendre un peu son pied d'escalade. Souvent, là, il faut te calmer et puis là. Hein? Et puis tu cherches et puis tu envoies, voilà. C'est pareil que Lewis aussi, DJ Lewis, parce que lui aussi il a sorti comme ça. Il peut bon, deux jours là, il est bien fait parce que tu penses qu'il dort? Non, Lewis, il dort pas, mais il fait plus du coupé décalé parce qu'il est en train de suivre. Moi, je suis un gars, c'est vrai, je veux revenir sur scène. Mais moi, je veux revenir sur scène avec le coupé décalé. Mm-hmm. Voilà. Moi, même si on me donne des millions pour dire non, tout de suite, t'as fait un truc, Maïmouna, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas venu pour ça, j'ai mes objectifs. C'est le coupé décalé que je vise. C'est ce que je veux rêver. Donc, il faut. C'est pas parce que les enfants, là, c'est nous, on moussait. Et puis, ils sont venus, ils ont copié dans le coupé décalé pour faire les maïmouna. Ok. Donc, nous, on n'est pas obligé de les suivre. Nous, là, on doit leur montrer que là, c'est nous les maîtres. Mais quand on suit, là, on tue nos mouvements. La preuve en est aujourd'hui, le coupé décalé est mort parce que. Parce qu'il faut dire que vous sortez d'un lieu qu'on appelle le MG. Un lieu qui traînait du monde, où il y avait de la foule, il y avait de l'affluence. Votre succès sort de là-bas. Aujourd'hui, même que ce lieu n'existe plus, est-ce que ça n'est pas aussi beaucoup pour votre régression? Non, mais le MG n'existait plus quand Lewis a chanté à Poutchou. Le MG n'existait plus. Quand il y a beaucoup d'artistes qui ont fait le MG après. Bon, ça allait toujours. Voilà. DJ Mix, il a fait la cour des grands. Mais après, la cour des grands a fermé depuis. Mais Mix, il est toujours dans le temps. Donc, le problème, c'est de travailler. Non, mais est-ce que ce n'était pas un pôle d'attraction aussi pour vous? Oui. Parce que, il faut dire ce qui est. Oui. C'était un pôle d'attraction et un pôle d'inspiration pour vous. Oui. Tu ne me diras même pas le contraire parce que tu sais que je sais. Voilà. Et de là, que vous n'ayez plus aujourd'hui, je dirais, de pôle d'inspiration ou de pôle de rassemblement pour créer encore et procréer, tu ne trouves pas que ça devient un peu difficile? Non, je te rejoins sur ce point-là parce qu'aujourd'hui, pour mieux nous vendre là, c'est sur les médias. Avant là, c'est vrai, les médias ont toujours compté, mais avant on ne comptait pas que sur les médias. Voilà. Nos espaces même où on déjà même, là, voilà. C'était déjà le truc. Oui. Mais aujourd'hui là, c'est typiquement médias. Bien sûr. Donc nous aussi, on a besoin des médias parce que on est en train de parler des gens qui font des bébés sans os, des trucs là. Tout ça là. Les médias favorisent ceux-là et puis nous-mêmes on se bat. Est-ce que vous savez que moi je fais chaque 17h, je vais faire sport. Et puis le sport que je fais là, c'est dans le but de maintenir mon thème vocal. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de trucs que je fais pour maintenir mon thème vocal. Mais c'est pour faire plaisir. C'est normal, sur les vents, c'est pour faire plaisir à mes mélomanes, aux fans, ils voient rien. Maintenant, nous on se bat pour faire plaisir, pour que aussi les médias sachent qu'il y a des gars qui travaillent dans le fond là-bas. On va. Nous, on nous laisse, on est assis là.
Et puis c'est les gars, honnêtement. Tu vois, si on ne vous voit plus, comment vous c'est le moment que ceux-là vont venir prendre la vedette. Est-ce que vous savez qu'il y a des chaînes, il y a des chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Si moi j'ai appelé certains animateurs pour dire je veux, je souhaiterais passer parce que j'ai sorti un truc. On me dit non, nous on a nos critères dans notre émission, on a nos critères, il faut faire ça, il faut faire un peu les délits. Il faut... Mais comment est-ce qu'un animateur peut demander ça à un artiste? Donc on te refuse sur certains plateaux de télé parce qu'eux ils veulent promouvoir l'immaturité et pas promouvoir les artistes qui ont du talent et de renom. C'est ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Non? Parce que moi, il te dit, j'ai même moi-même du haut de mon siège défalé, j'ai cru, il y a un qui a essayé de me parler comme ça, je lui ai dit son vrai nom au téléphone. Ouais. Et moi, il te dit ton vrai nom. Voilà, parce que à un moment donné, on a qu'à se respecter dans cette nation, tu vois. On est bien humble, tout et tout, mais petit, tu fus animateur après nous, dans tout ce que nous avons conçu, tu vois. Donc, je suis un peu d'accord avec toi dans ce sens-là. Mais en même temps aussi, nous, on a notre lucarne ici, Fafa. On favorise aussi des gars comme toi, non, je suis des légendes, tu vois, qui ont fait. C'est pourquoi Fafa, honnêtement, Fafa et Ivoire TV, ici, ceux qui suivent mon actualité, les gens savent que. Au niveau d'Ivoire TV, je suis un peu boosté. Oui, parce que non, on n'a pas besoin que tu sois d'actualité pour te dire. Voilà. Oui. Non, c'est déjà bon. C'est ce qu'on demande aux médias ivoiriens. Parce que quand c'est comme ça, vous êtes en train de faire un travail pour la culture ivoirienne. C'est important parce qu'il y a des. En fait, un artiste, c'est pas une chanson, c'est une carrière. C'est une carrière. Oui, moi, je le dis à qui veut l'entendre. Et nous, un artiste, c'est pas une nous, chanson. Nous, on va s'asseoir là et puis on va nous envoyer des gars qui sont quittés en bouche, qui disent qu'ils sont venus courir à nous. Ça, là, en fait. Ça me fait mal, ça m'énerve beaucoup ce truc-là. Parce que nous, on est en train de transpirer, on prend l'argent pour aller au studio, on fait tout. Quand on vient sur le terrain, on nous dit que non, maintenant là, c'est immaturité. Bon, ça là, tu as dit ça à quelqu'un que ça là. Peut-être que c'est ce que les producteurs aussi veulent. Si un producteur te dit de suivre la tendance en te proposant 5 millions, tu as refusé. J'ai dit, il va pas faire. Mais après aussi, là, ils existent, hein. Faut bien. Non, ils sont déjà là, mais le travail là. En fait, il y a un truc qui est là. C'est que moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, là, si les médias décident de faire leur travail là, si les médias décident de faire leur travail, les vrais artistes seront là. Je suis d'accord. Voilà. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Je suis bien d'accord. Alors, maintenant, j'ai une question qui me trottine d'esprit. Oui. Il faut que je te la pose. Après ta descente aux enfers, après ta chute, comment tu as fait pour t'en sortir? Bon, il fallait vraiment que je... D'abord, dans un premier temps, je disparaisse totalement de la scène musicale. Et puis, je me suis beaucoup concentré dans la prière. Honnêtement, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup concentré dans la prière. À telle enseigne que moi-même, je faisais des visions maintenant. Avant, je partais voir les hommes de Dieu. Papa, je leur expliquais mes problèmes. Mais je me suis concentré à telle enseigne que moi-même, personnellement... Tu as commencé à voir ce qui t'arrivait. Voilà, j'ai commencé à voir. Donc, j'ai commencé à vraiment faire attention, gérer un peu tous ces trucs-là. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis là. Je dis merci vraiment à deux hommes de Dieu. Et papa Daniel et puis docteur Christian Rabé. Ces personnes-là, ils m'ont vraiment suivi. Et puis, j'étais là comme ça un jour, il y a un monsieur qui m'appelle à 2h du matin. Il me dit, tout ça, c'est pour dire que les gens ont besoin de couper des câlins encore. Il m'appelle à 2h du matin, je dormais. Il me dit, allô, c'est DJ 5 étoiles. J'ai dit oui. Il me dit, bon, moi, c'est monsieur Boni. Il dit, je suis assis dans un bar actuellement, ils sont en train d'écouter. J'ai écouté les coupés des câlins, mais j'ai écouté ta chanson. Hein. Sans guébé, j'ai écouté. Tu déchires trop. Et on ne sent plus se couper des calés là. Mais quand j'écoute, je sais que toi, tu as la capacité de réveiller le couper des calés. Et c'est comme ça, il m'appelle, il me dit, fais un effort pour qu'on se voit. C'est de là que tout est parti. Donc, en quelque sorte, si vous me voyez sur scène aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, mais ce n'est pas en vain. Je suis venu pour faire un travail, je suis venu pour une mission. Le couper des calés là, je dois le remettre en bas. Alors, tu n'as pas peur, elle est bébé sans os de main, elle est DJ congélateur. Mais est-ce que c'est des gens qui moi, je dois avoir peur d'eux? Bébé sans os de main, ils sont là, là. Ils ont tenté de courir, vous. Lui, là, il va me dire quoi? Bon, en fait, je m'excuse de peut-être que je vais un peu trop fort dans mes propos envers lui, parce que c'est son gagne-pain aussi. Mais il n'a qu'à comprendre que. Aujourd'hui, là, c'est même chose comme l'armée. C'est le cadavre, hein? Oui, c'est même chose comme l'armée. Hein? N'importe qui peut se lever pour entrer dans les rangs de l'armée pour dire que je suis tentant. Quel est le message que tu veux lancer aujourd'hui à tous tes fans, tous ceux qui apprécient ta chanson? Parce que ton combat, comment tu reviens? Quel est le message face à la caméra? En fait, mes fans, j'aimerais vous dire, vous avez soif du bon coupé décalé. Je suis celui-là même qui va vous redonner ce bon coupé décalé-là. Actuellement, là, voyez-moi comme le Seko Fofana.
le droba du coupé décalé. Il n'y a pas de ce que j'ai dit là, c'est ce qui est. Je ne suis pas en train de parler pour me vanter. Si vous avez vraiment soif du bon coupé décalé, comme vous le dites partout, commencez à me suivre maintenant. Et puis je lance aussi un appel à tous ces artistes faisant de coupé décalé là, de revenir dans la danse. Tous ces anciens qui font du bon coupé décalé, ils sont là, ils sont cachés. Revenez dans la danse. On a besoin de tout le monde pour réveiller le coupé décalé. Parce que moi, personnellement, je ne parle pas de coupé décalé des bébés sans os là. Hein. Ce n'est pas de leur coupé décalé, ils parlent. Nous, on sait de quoi on parle. Donc, revenez dans la danse. Le général est là, vous serez servi. Big up aussi à mon vieux Noël Messi de Paris, tout le staff Noël Messi de Paris, Picasso Benguis, Fabio Gesta, toutes ces personnes-là qui travaillent avec DJ 5 étoiles. Big up à vous. Big up. Alors, ça fait plaisir. Merci à, comme il a dit, à tous ceux qui font tous ces efforts autour de 5 étoiles. Ouais. L'homme a toujours besoin d'être entouré pour pouvoir évoluer dans ces choses. Et merci à tous ceux qui soutiennent les artistes depuis les quatre coins du monde. Merci à ceux qui soutiennent le Fafa. On est ensemble. Notre émission tire à sa fin. Yumi, la muse. Oui, alors, merci à tout le bataillon. Hein. Voilà, avec le geste Soko, Santiago, Stéphane Aka, Anibie Junior et toute la team de la Prost. Prod. Ouais, moi, tout simplement, je vous allume.